Votre enfant est anxieux dernièrement, vous essayez de le faire parler, ça ne fonctionne pas. Avez-vous pensé à faire des arts avec lui? C'est surprenant à quel point de créer de manière artistique au lieu de parler, ça nous permet parfois d'exprimer des émotions qui sont difficiles. Quand je parle de création artistique, ça peut être du dessin, de la peinture, de la photographie, de la danse. Ça peut aussi être même des Lego, par exemple, faire un autoportrait en Lego, faire un dessin de sa famille. L'important, c'est de ne pas se mettre à analyser la production artistique, mais bien de s'en servir pour ouvrir un dialogue avec votre enfant. Vous seriez surpris à quel point les enfants vont se mettre à vous parler davantage s'il y a eu une création artistique auparavant. Donc, moi-même, quand j'utilise la création artistique dans mon bureau, je n'analyse jamais l'œuvre elle-même. Je m'en sers vraiment pour ouvrir une communication avec l'enfant et parler de ses émotions, de ses pensées, puis de ce qui vient au quotidien.